Venir sur la tentative de cambriolage de Nikos, alias les loups. Vous n'allez pas me cambrioler, les loups. Ok, bon. L'annonce a commencé, l'année a commencé brutalement pour l'animateur qui a été tentative de cambriolage dans la nuit du 1er au 2 janvier dernier. Heureusement, Nikos, ça va bien. On est rassurés. Voilà, il va bien. Mardi, 5 individus âgés de 19 à 23 ans ont été condamnés par le tribunal correctionnel du Val-de-Marne pour tentative de cambriolage et association de malfaiteurs en vue de commettre un potentiel homejacking. Gilles Verdet, vous avez toutes les informations, bien entendu. Et on a l'avocat de Nikos Aliagas, l'excellentissime Roland Pérez. Petit récap, il est avec nous juste après. Ces derniers temps, la liste des personnalités cambriolées ne cesse de s'allonger. Le fléau du moment, les cambriolages de chez les stars. Et dans la nuit du 1er janvier dernier, c'est au tour d'un célèbre animateur télé d'avoir été visé. Cinq hommes ont été interpellés après avoir tenté de cambrioler la maison de l'animateur vedette de TF1, Nikos. Mais la tentative d'intrusion chez Nikos Aliagas a tourné court et s'est soldée par l'interpellation et la condamnation de cinq jeunes individus équipés de matériel suspect. Ouais, ça roule. Oh putain, il s'est éclaté. Vas-y, go, 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 go. Alors comment comptait-il procéder? Recrutement des cambrioleurs, méthode condamnation. L'avocat de Nikos Aliagas sort du silence après la tentative de cambriolage chez l'animateur, ce soir dans TPMP. Regardez qu'il est beau, qu'il est chic, qu'il est Roland Pérez, qu'il est avocat, qu'il est maître. On l'adore. Maître Roland Pérez, merci d'être là, c'est un honneur. Merci. Est-ce qu'il y a un lien entre la tentative de cambriolage de Nikos et celle des autres célébrités ou pas du tout? Alors le mode de fonctionnement, à mon avis, oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une personne qui envoie ces différents délinquants, ces différentes personnes qui ont été mises en cause et condamnées. Alors, c'est jamais les mêmes, évidemment, mais il y a ce qu'on appelle une personne qui dirige un peu tout cela et qui envoie ces gens via des messageries qui sont des messageries cryptées, des messageries privées. Telegram. C'est Telegram, c'est Signal, par exemple. Et ces messageries font que se rencontrent des gens qui ne se connaissent absolument pas et qui vont faire un coup pour se faire un peu d'argent, entre 2500 et 5000 euros. C'est ce qui est ressorti de l'audience, en tout cas l'audience il y a quelques jours, où ils ont été finalement arrêtés et condamnés. Et il semblerait que ce soit le même mode opératoire qui s'est déroulé pour les autres également, soit cambriolage, soit tentative de cambriolage. Oui, Gilles. Oui, il y aurait entre 5 et 10 équipes avec un ou deux commanditaires, et le procès a mis ça en lumière, c'est-à-dire qu'effectivement, ils recrutent des gens de profils très différents. Il y avait par exemple quelqu'un qui travaille dans la sécurité, qui était criblé de dettes. Il est recruté pour aller faire un coup. Au début, on ne lui dit pas où tu vas exactement. Ce sera quelqu'un de célèbre, il y aura un butin intéressant. L'alarme ne se déclenchera pas, donc c'est très préparé. Et puis là, ça a raté parce qu'ils étaient vraiment mauvais. Et puis, par coup de chance, ça a raté. Mais sinon, on a l'impression quand même d'un modus operandi qui se répète de célébrité en célébrité. Et il y aurait derrière tout ça un ou deux commanditaires. Il y en a un qui a été mis en cause dans l'affaire de M. Guillon, par exemple. Dans l'affaire aussi du boxeur de MMA Cyril Gane, mais il a été mis hors de cause pour celle-là. D'ailleurs. Voilà, exactement. Il a même été indiqué que l'un des commanditaires aurait pu être en prison actuellement et qu'il aurait pu agir de prison avec cette messagerie, avec son téléphone et ses messageries, soit télégraphe, encore une fois, au Signal. Alors, est-ce qu'ils vont... Ils ont été condamnés? Oui. Ils ont été condamnés assez lourdement, il faut bien le dire, parce qu'on est sur une tentative de cambriolage qui a très vite échoué, puisqu'ils ont essayé de passer par le portail. Ils pensaient que l'alarme ne fonctionnait pas, et heureusement, l'alarme fonctionnait. Et à partir de là, celui qui était rentré pour ouvrir à ses autres comparses le portail a très vite compris, avec l'alarme qui était stridente, est revenu dans la rue pour rejoindre la voiture. Et c'est comme ça qu'ils ont été très vite arrêtés, puisqu'il y avait une patrouille qui circulait dans la région où est installée la maison de Nikos Aliagas. Et donc, ils ont été condamnés, il y en a deux qui ont été condamnés à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme pour l'un, 2 ans, 1 an ferme pour l'autre. Et puis ensuite, les 3 autres ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis, ce qui fait que pour les 3 derniers, a priori, ils vont porter, lorsqu'ils le pourront, lorsque sera mis en moyen le bracelet électronique, ils vont pouvoir leur installer un bracelet électronique. Oui, j'ai une question, maître. 4 jours avant, les bureaux de Nikos, les bureaux parisiens de Nikos avaient été
l'objet d'une tentative de cambriolage, ouais. Porte fracturée. Est-ce que c'est la même bande qui aurait... Non, on n'a pas, on a établi aucun lien. C'était deux plaintes différentes et on n'a établi absolument aucun lien entre cette tentative de cambriolage d'un bureau, pas grand-chose d'ailleurs, et ce qui est arrivé là, qui aurait été beaucoup plus grave, parce que ça fait froid dans le dos de Nikos, se dire... Nikos, il va bien, il est un peu traumatisé ou pas du tout? Ça va, Nikos? Oui, alors traumatisé, oui, je peux dire qu'il l'est quand même. Il est traumatisé parce que quand on trouve dans la voiture du Cerflex, c'est-à-dire des colliers de serrage pour vous ligoter les mains, pour vous ligoter les pieds, quand on trouve du ruban adhésif pour scotcher évidemment la bouche, quand vous savez que vous êtes avec vos enfants, que vous vivez avec votre épouse, ce qui est arrivé chez M. Guyon, d'ailleurs chez l'autre animateur, oui, rétrospectivement, vous avez un préjudice d'anxiété extrêmement important parce qu'il aurait pu être là, dans sa maison, avec ses enfants. Alors, lors de l'audience, les prévenus ont quand même dit que les instructions qu'ils avaient reçues, c'était uniquement de voler assez rapidement, de partir très vite et qu'il n'y ait aucun fait de violence qui soit commis. Mais bon, quand on se retrouve avec une voiture remplie de Cerflex et de rubans adhésifs, alors l'aggravation de la séquestration n'a pas été retenue par le tribunal, parce qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir une tentative de séquestration. Non, ça n'a pas été retenu. Donc, ont été retenus vraiment que tout ce qui pouvait être visible matériellement, c'est cette tentative de cambriolage en bande organisée. Oui, Géraldine. Oui, maître, on se réjouit de ces peines. Pour une fois, ce n'est pas complètement nul. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui, les citoyens lambda qui regardent ça se disent finalement, quand il y a une sorte de justice à deux vitesses et quand c'est des personnalités, c'est un tout petit peu plus exemplaire et un tout petit peu plus fort, même si vous êtes un très bon avocat et c'est peut-être aussi grâce à vous. Mais voilà, que par exemple, quand c'est un Français moyen où on a vu par exemple la grand-mère et sa fille avec le mec qui a pris presque trois fois rien, alors, et moins que... Sachez que le tribunal... Alors, l'audience a duré 8 heures. Donc le tribunal a fait un travail extrêmement sérieux, les avocats des prévenus ont extrêmement bien plaidé, simplement pour la plupart, à part un, ils avaient des casiers judiciaires longs comme le bras, donc ils ne sont pas à leur première tentative ou à leur premier méfait, hélas. La plupart sont quand même dans des situations, il faut bien le dire, il faut bien le reconnaître, dans des situations compliquées, difficiles. Ces prévenus sont venus parler de leur situation. Un était criblé de dettes, vous l'avez rappelé, Gilles. D'autres, d'autres sont quasiment sans famille. Notre a une charge de famille aussi. Rémi. Donc pardon. Non, rien, merci. Vous avez dit qu'il était fait sans famille. Ils ont tous pris plus que le monsieur qui a fait une excuse. Quand non, je ne dis pas que ce n'est pas c'est réveillée. Une excuse. Ce que je veux dire, c'est que la situation... Elle se réveille au mauvais moment. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pris la mesure, quand même, malgré leur situation, ils ont pris la mesure de ce qui a été commis, de leur situation et du fait qu'ils n'en sont pas à leur premier coup. Donc c'est pour ça que la décision qui a été rendue n'est pas liée... On va en parler dans un instant. La décision qui a été rendue n'est pas liée du tout à la personnalité de la victime. Nikos, d'ailleurs, n'était pas là, ne s'est absolument pas exprimé. Donc, elle n'est absolument pas liée à la personnalité de la victime. Elle est liée au fait. Je vous dis, il y avait la séquestration qui avait été éventuellement prévue. Et puis, le fait que c'était commis en bande organisée. Ce qui est inquiétant, c'est que les commanditaires, c'est-à-dire ceux dont le seul boulot, c'est de loger les personnalités qui sont potentiellement des richesses chez eux, ont trouvé les stars, etc. On va expliquer ce qu'est loger, parce qu'on n'est pas tous des délinquants. De loger, de trouver le domicile où habite la personne, la star en question. Voilà, leur seul boulot, c'est de chercher l'endroit, le domicile, et après d'embaucher des hommes de main. Mais eux, ils risquent rien, parce que donc ça va continuer, parce qu'eux, ils sont toujours dans l'ombre, protégés par les réseaux. Et donc, alors, on l'a vu pendant l'audience, le commanditaire, il y en avait un qui avait été désigné au départ. Il y a eu une première audience qui était l'audience, vous savez, des flagrants délits, la comparution immédiate. Et puis, ils ont demandé à juste titre de pouvoir organiser leur défense. Donc, l'affaire a été renvoyée il y a quasiment un mois. Et donc, tous étaient en prison pendant ce délai. Et au départ, lorsqu'on les avait entendus dans la première fois, chacun avait désigné un des cinq qui était un commanditaire. Ouais. Et puis, curieusement, quand l'affaire est revenue, tout le monde a dit « Ah non, non, c'est pas lui. » Donc, on ne saura pas quel est ce commanditaire. Le fait est que, ce qui est certain, c'est que les cinq ne se connaissaient pas. Ils se donnent rendez-vous à un
un point, c'était... je ne sais plus quel était le point de rendez-vous. Ils se donnent rendez-vous à un point. La voiture, une voiture vient les prendre, un chauffeur les emmène. Ils ne savent pas où ils vont aller. Ils ne savaient absolument pas que c'était la maison de l'animateur. Donc, ils viennent faire vraiment un... Et la veille seulement, ils ont reçu un message. C'est pour demain. Boum, comme ça, c'est à coup. Ah ouais, c'est intéressant. Quelqu'un de richesse. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les peines qui ont été rendues sont assorties d'un sursis probatoire. Et là, le sursis probatoire, ça veut dire qu'ils ont des conditions pour ne pas aller en prison, pour ne pas faire les un an en prison. Ils doivent remplir un certain nombre de cases. D'abord, ils ne doivent pas se revoir ensemble, ils ne doivent pas se concerter, ils doivent perdre tout contact ensemble. Ils ne peuvent pas aller dans la ville où vit précisément l'animateur, donc la victime. Ils n'ont pas le droit d'être... Ils ont une obligation d'indemnisation de la victime. Ils ont le droit de regarder la Starac ? pas ensemble. Et ils ont une obligation d'une formation ou de travailler. Voilà les quatre conditions. Donc ça, c'est un sursis probatoire assez bien fait, parce que s'ils ne remplissent pas ces quatre conditions, ils ne justifient pas lors de leur contrôle du respect de ces quatre conditions, ils peuvent aller en prison. On leur enlève le bracelet électronique et ils vont en prison. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, je trouvais que ce qui paraissait inquiétant dans ce que vous dites, c'est que les magistrats ont tenu compte des excuses qu'ils avaient en disant... Non, parce que c'est ce que je vous dis. C'est quand même pour une tentative où il n'y a eu aucun... En réalité, il y a un préjudice moral ou un préjudice d'anxiété. Il n'y a même pas une détérioration de la maison. Ils ont quand même écopé entre 3 ans et 2 ans de prison. Ouais. Donc c'est sérieux quand même. Enfin bon, quand t'as... Merci. Merci beaucoup. Maître, vous embrassez Nikos. Mais oui, vous pouvez l'appeler pour l'embrasser aussi. Et je vous dis, on l'embrasse. Et samedi soir, la soirée est simple. Ce sera, il y a Hanouna, donc c'est ma personne, face à Hanouna, nouvelle émission, samedi. T'appelles 8 hein. Samedi, face à Hanouna, et j'ai fait exprès de m'arrêter juste avant le début de la finale de la Starac. Trop bien.